Coucou ma chérie, toi qui envisages te marier avec un blanc, ou toi qui es dans les sites de rencontres pour chercher un caucasien, il faut déjà que tu saches une chose. Comme j'ai dit dernièrement, vous tous en Afrique, ou bien nous tous africains, nous sommes devenus fervents croyants. Manque un peu, on va déplacer Dieu pour prendre sa chance. Donc il faut déjà savoir que la majorité des blancs ne croient pas en Dieu. De un. Il faut savoir que il y a beaucoup de blancs radins. Alors, quand je dis radin, peut-être tu te dis que il y a des blancs radins au point où... Moi, je connais un ici qui est marié à une fille. Chaque fin du mois, chaque mois, quand il n'a pas fait les courses, il garde les tickets de caisse. Il garde tous ses tickets de caisse. Il les épingle quelque part. À la fin du mois, il fait le décompte de tout. Il regarde son compte. Si 50 manque sur ça, il va mettre la fille de lui maintenant. Elle doit expliquer un centime. Il faut savoir que la majorité des blancs qui sont dans les sites là, souvent ils viennent vous chercher, ce n'est pas parce que ils veulent trop l'amour. La majorité n'ont pas cotisé leur retraite. La majorité ont des petites retraites où ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à vivre, bref, même pour l'assistanat. Parce que les enfants ici en Europe, tu peux accoucher 95 enfants. Les enfants là ne te gèrent pas, ils ne passent même pas un coup de fil, mais quand tu n'es plus en vie, ils sont les premiers pour venir discuter comment dire ça, l'héritage, même si c'est un bonbon. Donc la solitude fait qu'ils viennent vous chercher. Et quand ils viennent vous chercher comme ça, étant donné que ce n'est surtout pas pour former une famille, beaucoup d'entre eux font ce qu'on appelle la vasectomie. Tu vas me demander la vasectomie, c'est quoi? La vasectomie, c'est le fait. C'est comme l'ablation des trompes, en fait. Ils se stérilisent et ils ne te le disent pas. Ils viennent te chercher, c'est un butin. C'est pas... Mais parce que c'est ce que je dis, la majorité, tu vas refuser. On nous connaît, nous, les Africains, avec les affaires d'enfants, non? La majorité d'eux ont été ou sont en dépression. Donc, dans la tête, là, ça ne va pas trop bien. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. Sans compter que la majorité d'eux sont des personnes qui vivent dans des coins où il y a beaucoup de racisme. Donc, quand tu veux un caucasien, sache aussi qu'il y a les caucasiens menteurs. Les caucasiens calculateurs, les caucasiens vicieux. Il y a ça aussi chez les noirs, mais il y a aussi chez les blancs. Ne pense pas que parce que tu vois quelqu'un avec un européen, c'est-à-dire que la personne vit le paradis. J'ai déjà dit ça ici. Il y a des filles ici dans les maisons. Même l'eau, elles n'ont pas le droit de se laver à l'heure comme elles veulent. Donc, viens chercher ton type, mais mets-toi dans la tête que tu viens surtout pour chercher ton avenir et sois sage. Bien commun à réfléchir avant de signer.